Eh bien, bienvenue dans le live. On a eu un petit problème technique. Bonjour. Peut-être que nous sommes là, peut-être que nous ne sommes pas là. Laissez-nous des commentaires pour savoir si vous avez entendu le premier live, parce qu'on. Peut-être que tout cela est virtuel. Moi, je vois actuellement une image de une photo, une image de moto. La régie nous dit que ça marche. La régie nous dit qu'on est fonctionnel. Quentin, qui actuellement possède 1,5 litre de sueur sur son corps, me certifie Il est que nous sommes 20h18. en live. Bon. Ok, ça y est, ça fonctionne. On me dit qu'on nous voit, c'est magnifique, effectivement. Je peux Bonsoir à constater tous. que j'ai la gueule totalement cramée par le froid. Je vais. J'ai l'air tout pâle. Non, mais ça. Tu préfères être tout rose ou tout blanc? Ah, ça. Bonne Attends, question. parce que tout rose fait le petit cochon, tu vois. Tout blanc, fait le mec qui a pas vu le jour en même temps, c'est l'hiver. On va rester comme ça. Allez, ça voilà, attends, je récupère le chat, comme ça je n'ai que le chat, je ne bouffe pas la bande passante. De toute façon, les gens connaissent, il y a toujours eu des problèmes sur nos lives, mais Les nôtres aussi. voilà, on va très bien. C'est ça, on est compatibles. On est raccord. On peut faire des trucs ensemble. Ok, alors pensez, voilà, je vais essayer de rester proche du chat, comme ça dès qu'il y a un problème, vous nous dites. Il y a un problème. Vous avez pléthore d'émoticônes pour le faire, pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui ne le sont pas également. Donc, est-ce qu'on reprendrait, est-ce que J'ai ça l'impression mériterait qu'on pas? reprend tout. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que quelqu'un, quelque part, a pu saisir quelques bribes du début de ce live? Je crois pas. Vous ne croyez pas? Non, personne. Oh, On a voilà. parlé quand même 10 minutes Ça veut dans le vide. dire. Ouais, mais c'était. Avant que notre régie, merci Quentin, Voilà. intervienne. Merci. Les gars, vous parlez vraiment pour rien. Donc, alors, bonjour. Et bienvenue. Pour resituer un peu le contexte, ce live sera un live multiplateforme. On sera en live sur YouTube, sur Facebook, si ça va bien marcher, chez SW Motec, Exactement. que j'ai réussi à À dire bien dire, à bien correctement. dire. C'est pas Alors, facile. tu vois, le premier live, j'avais Premier live, t'as mal dit SW Motec. bafoué. Voilà. Et donc, Et sur ta chaîne. et sur Twitch, sur lequel j'ai vos commentaires, du coup en direct ici. Et Aurélien devrait avoir les vôtres sur Twitch et sur Facebook Facebook et et YouTube. YouTube sur son ordinateur. Donc voilà, on va interagir comme ça. L'idée, c'est vous présenter l'histoire d'une rencontre. Exactement. Pourquoi t'es là? Pourquoi je suis là. Qui L'histoire t'es? d'un voyage. On va également parler de Tom Barr Tom Barrer. et de Tom Barr et qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Et voilà, c'était voilà. Pour vous vraiment vous resituer le pourquoi du comment de qu'est-ce que fait cette moto ici, que fais-je là, que sommes-nous, où va-t-on? Je rentre tout juste d'un trip off-road, de l'extrême, on peut dire, avec Tom au Portugal, où on est parti reconnaître des pistes. Donc l'idée, c'était trouver des itinéraires, un itinéraire qui fait toute la côte du Portugal, de Porto à Faro, jusqu'à Faro, mais en longeant la côte. Et alors, c'est à la fois un pays magnifique, avec des gens super sympas, et franchement, vous allez le voir dans la vidéo qui sort sur YouTube le 14, des pistes de ouf. On s'est mis des bonnes missions, on va pouvoir s'en parler. On va vous parler un peu également de cette moto, parce que j'ai pas encore. Il y aura un petit passage dans la vidéo, mais j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de vous faire les présentations. On va vous parler que fais-je ici avec Aurélien et SW Motec. Petit problème d'addiction. C'est pas facile. Mais à mettre sur le compte des 13 heures de route pour venir. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Eh bien, Paul, merci d'être là. Donc, pour ceux de notre chaîne qui ne connaissent pas forcément Paul, c'est vraiment un honneur pour nous, pour SW Motec, de t'avoir parmi nous. Sympa. On t'a chopé au plein vol. Donc, tu reviens de ton road trip. Là, ce matin, tu étais encore en Espagne. Je suis parti j'arrive pas à le dire, Valladolid, je sais pas, Valladolid? Ah, je sais pas. Tu dis comment? Ah, je sais pas où t'étais. Ouais, mais j'étais là-bas et bah, je me suis caillé de ouf, moins 10 compteurs, donc à 130, je te laisse imaginer la température, le givre instantané sur ma visière. Donc voilà, j'ai fait plus ou moins 13 heures de route depuis le Portugal pour venir. Je vois que Tom est connecté, donc salut Tom, salut Internet. Salut Tom. Est-ce que c'est le gimmick de Tom, c'est Internet. Exactement. Bon, donc voilà. Donc alors, pour vous resituer un peu. Donc, pardon, tu avais commencé à présenter à tes gens. Donc, Paul, donc, on Ouais. peut dire que tu es un youtubeur, À fond. pas n'importe lequel. 600 000 abonnés sur YouTube, c'est énorme. Vous êtes Nous, nombreux. on te suit depuis longtemps. Donc, tu n'es pas un spécialiste de la moto, mais c'est une des qualités que tu as et des choses, des sujets qui t'intéressent.
Donc quand on a vu que tu faisais de la moto et que tu t'achetais une nouvelle moto, donc qui n'est pas n'importe quelle moto non plus, la 1250 GS Adventure 2020, c'est quand même un morceau. On s'est dit que c'était le moment de faire un truc ensemble. On t'a contacté, ça a plutôt matché et on t'a équipé complètement parce que faut savoir quand on va dans les chemins avec ce genre de moto, tout équipé, c'est déjà il y a un beau catalogue de pièces chez BMW, mais on peut aller beaucoup plus loin et il faut aller beaucoup plus loin quand on veut vraiment être dans les chemins. Quand je dis plus loin, donc les accessoires qu'on fait SW Motec, c'est de la bagagerie, mais aussi des protections spécifiques à la moto. Donc là, c'est des pare-mains, protection de cylindre, sabot moteur, les sacoches. Là, dès qu'on commence à aller en off-road un peu hardcore, comme tu l'as fait. Ouais, puis aussi en termes d'ergonomie, tu vois, avec les parce que bon, on va vous montrer un peu tout ça, quelle est la position de conduite, parce qu'il y a des gens aussi qui ne connaissent pas le off-road. Qu'est-ce que fait cette moto aussi lourde dans un chemin? La question se pose. Ouais. Non, ouais. On va vous montrer également quelques trucs qui font que tu peux vraiment partir t'amuser en tout terrain avec celle-là. Coucou à Greg aussi. Je sais pas si tu as aussi des bonjours ou des réponses à faire. Ah, à fond, bah, écoute, carrément. Greg, t'es où? Ça n'arrête pas. Non, excuse-moi, j'étais perdu. Ah, j'ai des remerciements. J'ai Grimnar qui a offert 1000 abonnements là. C'est un peu une habitude chez toi, attention. Sympa. Tac, tac, tac. Ok. On essaiera de faire des répondre aux commentaires ouais, au fur et à mesure. Merci également, Alex, qui a offert 10 abonnements de niveau 1. Et Alicia, en fait, ils se font une fight d'abonnements. Ils offrent des abonnements. C'est sympa. Ouais, c'est grave cool. C'est assez cool. Donc alors, on est parti sur une idée, d'après une idée originale extrêmement brillante de Tom Barrer, faire donc cette reconnaissance des pistes au Portugal avec l'ambition d'avoir une trace un peu ultime qui puisse s'adapter entre dur, un peu plus accessible et carrément accessible. Et donc, on est allé chercher les trucs les plus durs, parce que les trucs les plus accessibles sont forcément plus simples à trouver. À la meilleure période. Tout à fait. La meilleure période, c'est-à-dire en plein hiver, ce qui nous a créé un début de trip pluvieux. Mais c'était l'enfer de la boue qui a succédé à l'enfer des sables, parfois mouillés, l'enfer des rivières et des gués à passer, pour ensuite arriver sur la fin du voyage à quelque chose d'un peu plus ensoleillé, mais malheureusement, problème mécanique de Tom qui a fait qu'il a dû rentrer à Paris. Donc j'ai fini la fin du trip en solo pour pouvoir quand même reconnaître les pistes, parce que c'est pour ça qu'on était là, et que moi j'ai du mal à... J'ai envie d'aller au bout des choses, tu vois, donc je pouvais pas faire... T'as continué tout ouais, seul. Voilà. Alors peut-être présenter Tom aussi, donc on salue. Ouais. Tom Barrer, qui est un motard un petit peu de l'extrême, pas que motard, hein, il fait plein de sports extrêmes. Grave. Et c'est un instructeur BMW, donc exactement avec ce genre de moto. Et, c'est un champion du GS Trophy et qu'on commence à bien connaître dans les milieux. Qui est aussi YouTuber à 16h, un peu fantasque. Bah, donc, à fond, on a fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube ensemble, sur la GS. On a essayé de me faire passer de pas grand-chose en tout terrain à quelque chose, en tout cas. Et là, je suis trop content parce qu'à faire 15 jours que ça, j'ai encore grave progressé. Enfin, en tout cas, moi, je le sens. Tu verras dans la vidéo, tu me diras. T'es plus le même homme, là, je pense. Ouais, bah, ce qui est cool, c'est quand tu fais vraiment que ça, t'es dans le bain et du coup, tu peux vraiment, jour après jour, voir la différence, quoi. Puis de toute façon, comme dans tous les sports, quand tu pars de zéro, ta marge de progression, elle est énorme et c'est super rapide. Du coup, tu vois vraiment les... Et plus tu avances dans le truc, que ce soit un parcours en grimpe, plus c'est dur d'aller chercher de la progression. Et voilà, merci à Corentin qui a pris un abonnement, Noni Vouin également, et Fifou91. Fifou91, remercie. Ouais. Ah bon, Fifou91, c'est... Non, je crois que c'est la première fois. Et ouais, parce qu'en fait, c'est la tradition de remercier les gens qui s'abonnent. Une tradition à laquelle il ne faut pas déroger. Et donc, cette moto, qui donc est une 1250 GSA, les modifications avant de partir qu'on lui a apportées... Hop, je pose celle-là, mais j'active le chat, sinon à chaque fois, ça ne marche pas. Donc alors, pour moi, l'un des trucs qui était le plus essentiel, comme je suis un peu grand, c'est un euphémisme, c'était avoir une position de conduite vraiment confortable, donc derrière ce guidon, qui permet de gagner 4 cm, donc t'es un peu mieux. La position de conduite en tout terrain, c'est pas assis, hein, c'est debout. Okay, 4 cm, c'est énorme, hein, comme derrière ce guidon. Ouais, carrément. Parce que si vous voulez, le guidon initial, il serait un peu plus là, tu vois. Et déjà, bon, en fait, quand t'attaques, c'est pas grave, parce que t'es... Attention, ça bouge dans tous les sens. Mais quand tu es sur deux roulants et que tu es bien debout, c'est sympa. Pouvoir être un peu flex, quoi.
Donc voilà, donc ça c'était pour moi le truc essentiel. Ensuite, quand tu fais du. Quand tu es à la bourre sur le planning et qu'il faut que tu roules de nuit, des faits additionnels, c'est super pratique parce que si tu veux, ceux de base, ils vont avoir plus un éclairage de proximité sur le sol. Le truc qui est même pas. Là, tu as deux paires d'antibrouillards. Tu as les antibrouillards ouais. d'origine de la 1200 GSA qui sont là et tu as rajouté des longues portées donc, de notre catalogue. Pour avoir à la fin avec ton plein phare de moto. À fond les ballons. Le truc qui est obligatoire en tout terrain, c'est des protège-cylindres. Parce que ça, si vous voyez, cette moto, elle est incroyable. C'est qu'on peut la faire tomber sans galérer à la relever. C'est-à-dire que le cylindre fait qu'elle tombe jamais vraiment à fond. 300 kilos, tu peux pas avoir une moto qui tombe pas bas. Du coup, ouais, c'est voilà. facile à relever. Plus Absolument. Facile qu'une moto normale. Et donc, de toute façon, comme en tout terrain, on tombe tout le temps, bah, c'est essentiel d'avoir un truc, qui protège. On a un sabot moteur quand on vient se mettre dans la mouise à faire des franchissements de n'importe quoi. Ça, je rajoute un peu, c'est pas une pièce que le commun des mortels pense souvent, parce que quand on a déjà un crash bar, on se dit pourquoi rajouter un pare-cylindre. Oui, mais... Si la moto tombe par terre, le crash bar d'origine touche en premier. Sauf que off-road, c'est pas un terrain plat. Du coup, il peut toujours y avoir une pierre en plus. Et donc la combinaison est assez importante. Non, en fait, c'est pas, il peut y avoir une pierre. Il y a toujours une pierre. S'il y a toujours une pierre de merde. Et effectivement, comme je dis, si ça tombe sur du bitume, le cylindre ne touche pas. Et c'est la pierre qui est. Et quand ça se perce, ça fuit de l'huile. Et c'est la fin du road trip. Ça, c'est foutu. Sabot moteur, c'est essentiel. D'ailleurs, j'ai des petits morceaux de sapin. Tu dois avoir des bons impacts aussi. Qui ont été récupérés dans un petit single track. Mais ça, c'est pour l'odeur. Ça fait sapin brûlé. D'origine, tu as un sabot sur cette moto, ouais. Mais qui est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin. Qui est un peu un sabot esthétique et qui convient parfaitement à la route. Mais quand on veut taper de la pierre ou poser de temps en temps la moto dessus, à fond. Ce que je n'ai pas installé et que vous m'avez envoyé, c'était un protège axe avant là, qui sort. Et ce que j'aurais peut-être dû, c'est que j'ai pété mon catadap. Voilà, même là, tu peux aller, alors que la moto est très large, venir toucher. Quoi. Voilà, donc ça, c'est un peu la base d'ergonomie de protection. Et par main, je pense que tu peux... À fond. Parce qu'en fait, les pare-mains d'origine sont plastiques, donc ils vont casser tout de suite. Vous voyez un peu les rayures qu'il y a dessus, là. Donc c'est bien de venir mettre des trucs... Donc la coque est aussi en plastique, mais ce qui est important, c'est les deux points de fixation avec une structure en alu. Comme ça, quand on tombe, c'est ça qui vient protéger le levier, et du coup, pas casser le levier. Et on n'a pas besoin d'avoir 5 leviers sous la selle. Et on peut continuer. Et c'est aussi ça qui va attraper le choc protéger le reste aussi de la moto. Mais ça, et puis surtout quand tu te prends des branches d'arbres, parce que quand tu es sur des chemins un peu étroits, une bonne petite branche, ça fait jamais plaisir, tu es sûr que ça tient le coup. Et effectivement, pour protéger les levées, comme tu dis. Indispensable également le bout de scotch sur le Komodo. Vous faites du scotch chez SW Motec? De toute façon, je pense que tout motard a scotch et riselant. Hein, ta moto, elle doit être plutôt récente. Je vois qu'il y a déjà des riselants. J'ai fait le con. Je pense que Tom est en train de rigoler derrière l'écran. J'ai perdu la vis. Ça, c'est le protège-batterie. T'enlèves cette partie-là. Tu peux brancher un compresseur sur ta batterie. Je suis l'expert, mais j'étais comme un débile quand Tom il le faisait pour moi au début. Mais maintenant, je connais, donc je peux me la péter. Donc voilà, ça, c'est le protège-batterie. Tu l'enlèves, tu branches des pinces et tu peux, comme ça, remettre de l'air sur tes pneus parce qu'en tout terrain, tu vas chercher à adapter la pression de tes pneus au terrain. Donc, par exemple, sur du sable, avec Tom, je suis professionnel, mais j'étais surpris également. On a pu descendre jusqu'à 0,5 bar, parfois même 0,2 quand j'en avais trop enlevé en faisant le con. Et donc une fois. Ça, c'est que dans le terrain meuble, quoi. Ouais, sur du sable. Pour que le pneu vienne épouser le. Ouais, à fond. Et après, il faut gonfler, parce que dès que tu roules, tu peux pas vraiment rouler longtemps à 0,2, t'abîmes tout. Et voilà, en termes de stockage, pour partir en vacances. Si vous avez comme moi une copine qui adore prendre des faire passer ou... des appareils photo. Ouais, ou des appareils photo. Ça, c'est plus moi les appareils photo. donc voilà, dry bag, moi j'ai mis tout mon matos dedans, sacoche latérale. Ce qui est bien, c'est qu'en plus des protège-cylindres, c'est également un rôle de protection. Donc là, regardez, hop, on va faire la démo, on a relevé le moto. Également un rôle de protection. Je te laisse faire tout seul. Ouais. T'as dû sortir du champ. T'as vu ce un beau lancer artistique. Donc voilà, donc c'est un rôle de protection parce que là, ça évite que le pot vienne trop toucher. Et puis surtout, en fait, le cylindre, il est fait avec une protection de protège-cylindre, il est fait pour être posé et il nous permet plein de trucs. C'est-à-dire que là, si on veut faire demi-tour à la moto en soulevant l'arrière, hop, on peut. Ça devient un point d'appui. Ouais, ça devient carrément un point d'appui.
Et voilà. Donc alors, pour relever la moto, il y a deux techniques, soit on s'assoit dessus, ok, soit on prend comme ça, et on tire. Et Tom est plutôt costaud, mais normalement, même quelqu'un de plus frêle peut le faire. Voilà. Hop. Donc voilà, donc ça vient également protéger. Ce mouvement-là, ok. Bon, là, il y a une bonne, un bon grip sur le sol, donc c'est ok. Mais il faut vous imaginer que des soulevés de terre de moto, j'ai vraiment. T'es essoufflé un peu quand même. Ouais, mais tu sais, j'ai sauté, je parle en même temps et tout, je suis en train de faire de l'abruti. Donc... non, forcément. Non, et ce mouvement-là de soulever de terre de moto, je peux même pas compter combien de fois on l'a fait, quoi. C'était. Et tu remercies l'AGS, justement, qui se pose sur les valises bah ouais. Et sur le cylindre pour pas se coucher, parce que ces degrés d'inclinaison changent tout. Les premiers mouvements, là, quand on est tout plié pour relever la moto, c'est ça qui est le plus dur. Bah, surtout, vous imaginez bien que quand elle est pliée à fond, c'est là où tout. Enfin, c'est pas la fin. La fin, c'est facile, quoi. C'est vraiment le début, comme tu dis, qui est hardcore. C'est là où t'as tout le poids, quoi. Et bah, écoutez, voilà pour la présentation de la moto. Si vous avez des questions sur son équipement, sur son aventure, allez-y. Hein. Je te laisse regarder. Je vais récupérer le chat, boire un petit coup d'eau. Allez. Alors, attends. Hop. Je sais pas si la régie a des commentaires à nous faire. Apparemment, non. Une copine qui prend des fers à passer. Non, mais c'était un vidéo des States, c'était un petit fer à repasser, mais c'était quand même un fer à passer. Quand j'ai vu mettre dans le sac, j'ai fait tomber. Un fer à passer, vraiment. C'est vrai que t'as traversé les États-Unis. Ouais, mais c'était quand j'avais loué une moto comme ça, mais pas Adventure, pour un peu savoir ce que ça donnait. J'avais pas prévu de faire du off-road, et de toute façon, les mecs m'avaient dit ouais, faites pas du off-road avec ça, c'est trop lourd. Ils avaient tort, mais donc il y a deux écoles. Suis quand même retrouvé dans le sable, quoi, avec. J'ai pas fait exprès, mais avec un phare passé dans le sac, quoi. Je récupère un peu le chat, les gars, parce que j'étais sur de l'explication. Tac, tac, tac. Merci à tous ceux qui ont offert on a des subs. Tom Barrière qui pose une question. Pourquoi tu as un déflecteur plus petit que l'autre? Alors, effectivement, il se trouve que On va raconter un peu ce trip qui était, enfin en tout cas quelques portions du trip, et pour l'intégralité, il faudra aller voir la vidéo parce qu'on n'aura pas assez d'une soirée pour tout raconter. Non. Et l'idée d'une vidéo, c'est aussi pouvoir faire un gros mash-up. Puis parfois, une image parle mille fois plus. Quand tu vois un guidon, tu veux. Le mec qui se fait éjecter, ça parle peut-être plus que si je te raconte le truc. Et mais il se trouve qu'on était, donc il y a des grands déserts en fait au Portugal où tu ne croises personne, et nous on était dans une sorte de désert qui ressemblait à un bac à sable géant avec des racines partout, donc c'était vraiment le bordel. Ça montait, ça descendait, on était à 0,5 en pression sur les pneus, et voilà, et Tom perd sa sacoche à outils, quoi, qui se déclipse. Moi, pas une SWMTEC, rassure-moi. Non. Et non, bref, et du coup, moi, je faillis rouler dessus, et je vois, oh putain, attends, ta sacoche, putain, prends-la, voilà, c'est dommage que ce soit déclipsé. et du coup, juste après, je descends une pente de sable, et je dis, oh putain, une sacrée souche, celle-là, faut pas rouler dessus, quoi. Vraiment, faut éviter. Et je remonte, parce qu'on, évidemment, c'est une reco, donc on a dû faire demi-tour, c'était bloqué, ça passait pas, je sais plus quel obstacle qu'on avait cette fois-là. Je remonte et là j'étais bien, machin, j'accélère un peu et je perds un peu le contrôle et je vais direction un buisson. Bon, de toute façon, il n'y a jamais rien dans le buisson, je passe le buisson. Et en fait, la souche que j'avais évitée en descendant était cachée dans le buisson. Donc ça a fait tremplin, quoi. C'est choum, presque à la verticale et sur le côté. Voilà. C'est souvent à base de choum. Et il n'y a que le déflecteur que tu as cassé. Et ouais, c'est, la moto s'est retournée presque. J'ai entendu un petit bruit de plastique. Souvent, les bruits sourds, ça va, les bruits de plastique, c'est un bon effet. C'est ceux qui font mal, les bruits de plastique. Et voilà, j'ai cassé juste un bout de déflecteur qu'on ne voit pas là, mais rien de bien méchant. Donc alors, quelques petites anecdotes qu'on pourrait partager sur ce trip, bon, qui seront évidemment dans la vidéo, mais c'est quand même rigolo à rappeler. Moi, j'ai deux gros tankages en tête. Ah ouais. À la fin de ce verre d'eau, s'il te plaît. Un peu. Ouais, et alors on a Polaroid qui me dit que j'ai pris des couleurs, je me suis fait attaquer par le froid. J'étais un peu bronzé au Portugal, là c'est clairement du froid. Ah, t'as 5 couches quoi, quand tu es arrivé tout à l'heure. Quentin m'a dit qu'on dirait un clochard, effectivement j'étais 5 couches plus une couche de pluie, donc c'est une sorte de vieux sac poubelle que t'as par-dessus toi.
Et ouais, effectivement, plus avec la boue, je ressemblais pas. Ah, avec moins 10 sur la route au compteur, en roulant à 130, ça doit faire vraiment froid, je pense. Ouais, et puis quand tu te mets en warning sur le côté pour sortir ta carte de crédit pour t'en servir comme grattoir sur ta visière, là, t'as atteint un stade de... T'as pas croisé beaucoup de motards, non ? Non, en plus, quand je suis arrivé en France, quoi. ceux qui roulent quand il fait chaud, quoi. Donc, alors, deux gros tankages. Un tankage, c'est quand t'es bloqué dans un truc. On a passé un guet, je sais pas, c'est quelle prononciation que... Guet, je sais pas comment tu dis. On peut dire les deux, je pense. Hein, mais... Ouais, donc, enfin, en gros, c'est un passage de rivière, là où c'est censé être un peu plus... moins profond. J'en perds mon latin. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'avec Tom, on a une sorte de compatibilité d'intelligence, si on peut dire ça comme ça. Donc, en fait, on était tous les deux assez pressés d'aller se mettre dans le guet, quoi. Tu vois, c'était... bon, sans que ça porte à confusion. Hein. Et, non, bref. Et donc, je m'élance en passant à droite. Et là, je fais 2 mètres dans le truc. Je me tanque. Et c'est en mode sable mouvant. C'est un peu le... T'as une... C'est marrant parce que j'ai que des mots avec un... Comment dire, un double sens assez particulier qui me vient en tête, c'est ce que je veux dire. Donc bref, t'avais une sorte d'aspiration du sol, des sables mouvants qui faisait que la moto était vraiment tankée, mais durement, quoi. Et je vois que la régie se marre, c'est interdit au régiman de se marrer, attention Quentin. Et donc, je reprends. Et donc, on se retrouve, ma moto bloquée. Dans l'eau froide. Voilà. Il est 6 degrés en pleine nuit dans l'eau froide et je me retrouve, si vous voulez, avec de la flotte à 1 cm du pot d'échappement. Si tu as de l'eau qui rentre dedans, tu as une possibilité de noyer le moteur, tout comme les aérations à l'avant. Des prise d'air. Prise d'air. Les aérations. Un petit Velux. Non. Ouais. Et non, bref, et du coup, je dis à Tom, mais écoute, tu sais quoi, c'est un moins profond à gauche, passe-y. Et donc Tom, évidemment, on s'empresse d'y aller et obtient le même résultat que moi, mais un peu plus proche du bord. Et donc là, on se retrouve par 6 degrés en pleine nuit avec 2 motos dans la flotte. Et surtout, il y avait c'était vraiment de la terre sablonneuse qui prenait la roue et donc impossible de soulever, quoi. Tom a toujours une corde et des poulies sur lui, c'est une constante. Et du coup, on a trouvé le seul tronc qui existait pour pouvoir s'accrocher dessus. Et donc, fort heureusement, on a réussi, avec le tronc, avec des renvois de cordes et en creusant sous l'eau. Donc là, si vous voulez, il faut vraiment s'imaginer qu'il est 6 degrés, nous sommes en pleine nuit, pas du tout français. Et donc là, on est en train de creuser, mais sous la roue. Donc si tu veux, l'eau, elle est là. Tu es en train d'essayer de dégager ta roue qui est encore plus machin, et dans la flotte. Et donc là, en dégageant la roue... Et vous filmez. Là, c'était compliqué, quoi. Donc on a filmé le plus possible, mais c'était chaud, ouais. Et donc là, en creusant, en basculant la moto sur le côté pour essayer de faire sortir la roue, et ensuite en la remettant droite et avec ce système de poulies, on a réussi, au bout de pas mal de temps, de sueur et de... franchement, on n'y croyait plus, quoi. Mais on a réussi à les sortir, quoi. C'est là que t'es content d'avoir du matos étanche. Mais bah ton matos de pilote n'était pas étanche, par contre, ça t'a posé problème. Mon matos de... Ta combinaison de... Ah ben non, non, non. Non, en fait, c'est les pilotes. Quel pilote? Ah, c'est moi le pilote. non, ouais. Malheureusement, du coup, ces bottes, elles sont étanches jusque-là, quoi. Mais donc, quand t'as de la flotte... Le seul truc qui est... C'est pas mal qu'elles soient un peu étanches pour les petites flaques, mais quand t'as de l'eau qui rentre, elle sort plus. Donc, j'ai passé la première semaine avec Tom, on a passé la première semaine avec les bottes que t'enfiles trempées dans l'eau, quoi. Donc, tu les mets le matin, t'es « Ah, sympa !» Puis t'as des poissons rouges. Et donc, voilà. Et après, il y a eu plein d'autres tankages, mais le plus mémorable. Est-ce que Tom, si présent dans les commentaires, pourrait me donner un mot-clé du tankage qui, pour lui, serait le plus mémorable ? On va voir si Tom est réactif. Si Tom est réactif... Normalement, c'est plutôt un rapide. Je raconte l'histoire. Si Tom n'est pas actif, je choisis le deuxième tankage. Et quand tu vas dans tes explorations sur tes vidéos un peu plus généralistes, moi quand je pense à celle de Tchernobyl, tu vois, ça me marque vachement. C'est Tchernobyl en moto ? Ouais, exactement. Il y en a où tu pourrais faire des approches. Moi, ce que j'adore, enfin, ce qui nous motive dans ce qu'on fait, c'est le franchissement, c'est la découverte. Et la moto, le trail, c'est un moyen de franchissement parmi plein d'autres. Mais surtout,
c'est comment dire, c'est un des moyens où, si tu veux, quand ta destination est infranchissable autrement qu'en moto et que à pied ça te prendra des années, c'est le moyen idéal pour y aller, quoi. Et donc c'est un peu dans cette dynamique, avec quelques spots en tête, que je me suis mis à faire du trail, et surtout pour le kiff d'être pouvoir franchir n'importe quoi avec ces motos là. Et ton binôme Clément sera chaud pour être passager ou il pourrait s'y mettre? Tiens, Clément, je le chauffe, je lui dis passe ton permis et tout, on se met au trail et tout. Et on a fait un deal, parce que moi j'ai pas le permis voiture, ah ouais. J'ai que moto, et depuis des années du coup. Et écoute, il m'a dit écoute, tu passes ton permis bagnole, comme ça moi j'arrête de trimballer quand on est en trip en voiture, et moi je passe mon permis moto. C'est ton Sam, quoi. Et à fond, mais par contre c'est moi qui le trimballe quand on est à Paris, quand il faut se. Tu vois, se faut filer dans la circulation. Ouais. Je trouve pas les mots. On a l'adjectif de Tom qui est dur. Un tankage dur. Attends, faut que tu précises parce qu'ils ont beaucoup été. Parle du bourbier du premier jour. Ah oui. Encore un bourbier dans lequel on a. Ouais, on a. C'est boueux, je crois. Il y a pas de sable. Non. On a beaucoup sorti les poulies et les cordes sur celui-là. Alors, on a quand même Corentin qui nous demande si vous faites un protège-couille SW Motec. Ah, non. Pas encore, mais peut-être. Nous, on est plus sur l'équipement moto que pilote. Ah, donc, oui, ça, on va laisser ça aux équipementiers, mais on va leur soumettre cette proposition. Mais c'est pas mal parce que c'est vrai que si tu. Et puis après, je reviens sur le bourbier, mais c'est vrai que si tu te prends une souche, ou par exemple que tu cales un peu fort parce que machin, tu vois, c'est vrai qu'il peut arriver des mouvements de. Je pense que c'est arrivé à tous les motards. Hein. Ouais, ben moi régulièrement, un claquage de couilles par jour, c'est même recommandé par l'OMS, hein. Il y a eu une étude très sérieuse. Ouais, je te jure. Et le tank. Ah oui, donc ça c'était un bourbier où, encore une fois, parce que moi j'ai commencé à cerner le personnage, cet homme, j'ai commencé à même pouvoir parfois aller réfréner quelques envies en disant écoute, franchement, ce truc-là, je vois très bien qu'on est tanké. Tu vas y aller, je peux te prédire le résultat, mais n'y va pas. On pourrait peut-être s'éviter quelques heures de galère. Il a un côté maso. Et il me regarde toujours avec le même sourire de ah non, j'entends bien ce que tu dis, mais il faut y aller. Et donc il y va quand même. Il y va quand même, et il se retrouve sans surprise, en fait. Donc si vous voulez, c'est The. Flaque de boue, bourbier, tout ce que vous voulez, de même à pied, tu galères à passer, le truc qui t'aspire la botte, tu vois, flotte, et après monter à 45. Mais 45, bon 45, quoi. Voire peut-être même un peu plus. Mais quand tu vois ça, tu sais très bien que ça passe pas. Sous la pluie. Il pleuvait pas, mais il venait pleuvoir, quoi. Et parce qu'en fait, la première partie était assez urbaine, donc on alternait entre un peu de ville et tout. Et on passait parfois dans des rivières, des ruisseaux, machin et tout. Et donc là, c'était une de ces parties-là. Et donc, on se retrouve dans ce truc-là. Et évidemment, il y va et il se bloque à mi-pente. Et c'était là la première fois qu'on a sorti donc les poulies et la corde avec ce système de renvoi qui permet de démultiplier. Donc, tu as plusieurs poulies, tu passes la corde comme ça, entre. Et comme ça, chaque renvoi divise un peu l'effort. Et ce qui fait qu'à la fin, tu as une traction minime à générer. Et donc là, on essaye en tirant, ça ne marchait pas trop. Et finalement, avec le bon renvoi, on a réussi à connecter donc, les motos. Donc une moto tractait l'autre moto, mais en allant à l'opposé avec les renvois de cordes sur les poulies, connecter un arbre. Ça fait beaucoup d'informations. Ouais, je pense que tu en as dû en perdre pas mal. Oui, voilà. Mais ils ont l'habitude avec moi, parfois, ça part super technique, alors qu'en fait, ça pourrait être très simple. Un arbre, une moto, poulie de corde, je tire en ce sens-là, la moto monte là, quoi, en gros. Et c'était la première fois qu'on faisait ça avec une moto, enfin pour toi, mais donc pour moi aussi, puisque j'ai servi de corde et de poulie pour faire de la moto, c'est pas forcément en commun. Et à ma grande surprise, la moto est montée, quoi. Et je crois qu'il y a eu un petit problème de corde, non? Et les cordes ont cassé plusieurs fois. Ça, c'est assez impressionnant, mais je trouve. Mais les cordes qui cassent plusieurs fois, c'était davantage sur la partie avec les sortes de sable mouvant. Parce que tu avais une succion folle quand ta roue est vraiment aspirée, tu vois, et que tu n'as pas d'air, tu ne peux pas la sortir, quoi. Si tu as une corde qui résiste à 300 kg, pour qu'elle casse plusieurs fois, c'est. Ouais, mais moi, ça m'a pas. Moi, quand tu m'as montré ça, sa corde, j'étais sûr que ça allait casser. Hein. Ah oui. Ouais. Non, mais je lui ai dit, écoute. Ouais, est-ce que c'est. D'où vient sa corde aussi? De quoi? Il y a corde et corde, quoi. Ah oui, non, c'est vrai. Mais je pense qu'une. On a réfléchi à ça, il faut qu'il prenne juste un parce qu'en fait, il nous faut rapidement 80 mètres de corde, tu vois.
Et tu sais, parce qu'avec les renvois et tout, pour avoir un peu de distance. Et Tom, il faut que tu prennes un diamétrage juste un peu plus gros. Et puis, de toute façon, on s'est mis d'accord sur le truc qu'il nous fallait pour au prochain. Écoutez. La régie nous envoie des questions. La régie. Apparemment, la régie n'entend pas. Non, et puis sinon, en fait, là, c'est marrant parce que souvent, quand on tourne ces vidéos, j'attends d'avoir fait le dérush un peu des clips pour pouvoir justement avoir un peu l'histoire en tête et aller tourner le débrief. Parce qu'en fait, quand tu es dedans, c'est compliqué de tourner un débrief parce que tu es tellement dans le truc que tu te rappelles pas tout. Et donc, c'est chouette de pouvoir attendre un peu, laisser le truc reposer, et là, t'as les histoires qui remontent, et c'est là où il y a plein de trucs à vous raconter. Alors, on te prend un chaud. Ah ouais, là, c'est carrément un chaud. Mais, avec un peu d'anticipation, on avait noté. Parce qu'en fait, c'est ça qui est rigolo quand t'es en trip, surtout en tout terrain, je pense que tu peux me rejoindre là-dessus. Tu te lèves tôt, tu rentres tard le soir, et tu vois plein de chemins. Mais c'est pas comme quand tu fais de la route, où bon, c'est de la route, c'était uniforme, machin. Là, t'as vu tellement d'univers, et c'est passé tellement de petits trucs, que c'est compliqué à la fin de la journée de se dire « Tiens, je me rappelle de ça, ça, ça ». Donc, on a un peu noté. Et peut-être dans ce qu'on a noté, je vais retrouver une histoire un peu à vous partager. Bougez pas. Ouais, tu devrais trouver. Oui, c'est sûr. Non, je crois pas que la régie ait de questions. Bon, alors, j'ai des histoires, mais qui resteront secrètes. Parce que ce qui se passe à Porto reste à Porto. Là, tu as fait un trip de deux semaines où tu as fait tout le Portugal en off-road. Toute la partie pour aller sur le Portugal, tu l'as fait sur la route. Ouais, et exception d'un petit col en passant par entre France et Espagne. Quoi. Côté de la frontière, quoi. Ouais, qui était pas mal du tout. Pas mal du tout. Tac, tac, tac. Moi, c'est un truc qu'on peut dire qui m'a frappé sur le Portugal, c'est que, alors déjà, le pays est magnifique. Les gens sont hyper sympas. À côté de leurs voisins espagnols et italiens, c'est pas pour faire des généralités, parce que tout le monde est différent, et quand tu connais les gens, c'est pas du tout pareil. Là, je parle vraiment de l'accueil des touristes. J'ai trouvé qu'il y avait un accueil des étrangers, mais un global au Portugal qui était incroyable. Donc, je parle du côté incroyable du Portugal, mais vraiment, moi, j'ai rarement été aussi bien reçu que là-bas. Et c'est pour de vrai, quoi. C'est pas... Je crois qu'on a une question pour savoir si la 1250 est vraiment plus agile que la 1200 en tout terrain. Alors écoute, c'est une bonne question. Tu as essayé les deux aussi ? J'ai pas essayé les deux. J'ai jamais essayé de 1200. Ah. Mais c'est une bonne question à laquelle je peux peut-être répondre. Des dires de Tom, il y a eu un vrai gap entre les deux. Bon, je parle à sa place parce qu'il n'est pas là. Donc, vous voyez ce que je peux te dire là-dessus. Par contre, je sais que... elle est, elle va pouvoir reprendre plus bas et caler moins facilement du fait de son moteur et tout. Et pour le coup, tu m'arrêtes si je dis des conneries, ça, c'est vachement bien parce que quand tu es à la bonne pression de pneu dans un terrain un peu glissant, instable, tu peux pas souder à fond et faire que accélérer parce que t'as pas de grip, t'as pas de traction. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être avec juste la puissance nécessaire qui te permet d'avancer sans caler, mais toujours en gardant du grip, quoi. Et donc en fait, aller chercher justement ce point d'accroche, d'adhérence, c'est tout le combat. C'est tout le combat du trail parce que tu peux pas accélérer à fond, prendre de la vitesse. Tu peux pas arriver à fond avec des motos aussi lourdes. Et donc en fait, pouvoir aller très très bas dans les tours sans caler, c'est une des grandes forces de cette moto où tu as l'impression d'avoir un tracteur, tu n'as aucun grip de nulle part et tu ne sais pas comment, tu as une pente qui monte au ralenti et tu arrives en haut. C'est vraiment le couple qui va faire la différence. Et déjà, la 1200, elle était une des références et là, tout le monde est unanime pour dire que la 1250 est beaucoup mieux sur le point moteur. Je ne pense pas qu'elle est plus agile parce que ça reste le même poids, le même châssis, c'est quand même assez proche comme moto. Par contre, en sensation moteur, il n'y a apparemment rien à voir. Moi, j'ai essayé les deux et je me suis aussi pas mal aperçu. Et tous ceux qui l'ont essayé en se disant « Ah, c'est dommage d'aller changer de moto alors qu'il y a juste 50 cm3 en plus », ceux qui l'essayent en général changent directement. Quoi. On a un bug, Quentin ? Non ? Non, pas de bug ? Apparemment, le clé chez toi. Super. Ok, top. Il y a El Gambio qui nous dit « SWMOTEC, super marque pour le off-road. » Je connais bien. Eh bien, c'est bien. El Gambio qui nous dit parce que j'ai 1200. Est-ce que El Gambio, j'espère qu'il est bien équipé et qu'il va dans les chemins, parce qu'on est partenaire de pas mal d'événements off-road en France
Il y a beaucoup de solutions pour aller amener des motos comme ça. Les Africa Twin, les KTM. Enfin, aujourd'hui, il y a un marché moto, les Ténéré 700, qui est énorme et c'est des super motos. On n'est pas obligé d'avoir des motos aussi technologiques et haut de gamme que ta moto. Et c'est accessible et c'est un vrai plaisir. Hein. Mais grave. Tu n'avais pas fait d'off-road, tu as commencé quand ? Moi, j'ai commencé sur une T7 avec Yann Dupré. Sur une vidéo qu'on a fait avec, ensemble, il y a un an. Ouais. Et maintenant, tu es un expert et tu traverses le Portugal au mois de janvier. Quoi. Mais vous verrez la vidéo, vous direz. Mais je me mets toujours des belles boîtes, mais je crois que c'est le principe. Hein. Oui, mais je pense plus que ce soit dans la catégorie débutant. Quoi. Peut-être pas. En moins d'un an. Quoi. Donc, ouais, c'est quand même assez beau. Quoi. C'est vrai. Alors, il y a un bug son, mais pas pour toi, Paul. Alors, on me demande un avis sur la selle d'origine ou est-ce que c'est la selle d'origine sur ta moto ? J'ai vu qu'elle était très confortable. La selle d'origine. T'as rien touché à ta selle. C'est une selle d'origine. En position basse, tu peux changer la position basse, haute ou pas de la moto. Mais bah, apparemment, c'est ton micro qui s'accale un peu, Quentin. Non ? Ok, all good. Bon, bah, écoute, n'hésitez pas à nous dire. Tac. Et bon, on a quand même eu des récompenses dans ce trip. Ça c'était une des un des trucs où tous les deux avec Tom on s'est dit ça franchement les gars c'est un des plus beaux souvenirs qu'on veut garder de ce voyage. C'est alors, en fait pour vous resituer un peu, moi j'avais jamais roulé dans le sable avant et donc quand tu roules dans le sable il y a pas mal de choses qui changent, c'est à dire qu'il faut accepter que ton guidon il fasse et qu'il faut accélérer sans savoir où tu vas, c'est plus ou moins un peu ça quoi. Et surtout, il faut comprendre qu'en tout terrain, c'est un peu comme du ski, quoi. C'est un sport de glisse. Quoi. Donc, il faut accepter que ces roues elles partent dans tous les sens. Et quand tu viens de la route, bah, au début, ce n'est pas forcément facile d'accepter que ouais, ça part à gauche, à droite, machin, et que tu ne peux pas contrôler tout. Alors, tac. Et le sable, tu n'en as pas fait n'importe où. Tu en as fait au bord de la plage, quoi. Ah ouais, oui. Ça, c'est magique, quand même. En fait, c'était ça. Donc, alors, t'as une sorte de grand désert de sable avant d'accéder à la plage qu'on a pris. Tom m'a laissé galérer avec des pressions hautes parce que plus tu dégonfles, donc plus c'est facile. Et une fois que j'avais bien galéré et que je m'étais bien éclaté la tronche, vous allez voir, j'étais resté bloqué sous la moto à essayer de m'enfuir comme dans les films, là, quand tu rampes, juste pour aller mourir quelques mètres plus loin. Et donc... Une fois qu'il m'avait bien fait galérer, on a dégonflé et là on est arrivé sur la plage, donc avec un peu plus d'expérience de sable. Et c'est vraiment une plage, mais déserte, surtout en décembre. Personne, aucune construction. Et donc là, en fait, on avait tellement galéré dans le sable à ne pas avancer, à se tanker et tout, qu'on s'est fait 30-40 bornes en ligne droite. Si vous voulez, on ne voyait même pas la fin de la plage, quoi. Et donc on était 2GS au soleil couchant avec la réflexion du soleil sur l'eau. À tracer tout droit comme ça, et en fait, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est vraiment du surf, quoi. T'as l'impression de ski, quoi, sur la neige. T'as l'impression de flotter un peu. Ouais, t'as l'impression de flotter. Et t'es un peu en arrière, ça bouge un peu de l'avant, mais c'est pas trop grave. C'est surtout quand t'as du sable nickel, tu vois, t'as pas, enfin, sans trace, t'as pas ta roue qui se prend dans un truc. Donc c'est vraiment, elle est un peu surélevée, et tu vois où tu veux, quoi. La poudreuse. Et ouais, c'est exactement ça. C'est pareil qu'en ski. Parce que t'es vraiment sur l'arrière et tu te diriges juste en poussant un peu à gauche et à droite. Quoi. Alors là, on voit que le sac, tu l'as mis bien à l'arrière pour ouais. Pouvoir qu'il ne te gêne pas, pour pouvoir reculer ta position. En route, je l'avais mis là pour faire le flemmard. Pour être le dosseré. Mais en fraude, tu l'encules. Ouais, non, en fraude, je l'encule. On a souvent des questions aussi sur nos sangles. Là, on a rajouté donc le sac Dry Bike 350, c'est un de nos best-sellers. Il est vendu avec 4 sangles d'origine avec le sac. On préconise d'utiliser des rock straps en plus, c'est des sangles avec une partie élastique qui permettent de bien compresser le sac et de limiter les mouvements pour que tout arrive à bon port. Quoi. Bah, à fond les ballons. Il faut, moi, j'ai quand même quelques petites solutions à essayer de développer pour mettre du matos à l'intérieur de trucs plus solides. Enfin, comment dire, pas sur le sac, mais sur. Parce qu'en gros, dans le sac. Dans le 350 ou la valise latérale ? Non, en fait, en gros, la solution d'avoir un sac bulle, comme on dit, tu peux mettre plein de trucs dedans, ben c'est celle-là qu'il faut. Mais il faut qu'à l'intérieur, ton matos soit protégé. Parce que par définition, tu n'as pas de protection dans le dry bag. Ça, c'est un sac souple, donc oui. Ouais, si tu n'as pas mis un sac peut-être rigide à l'intérieur ou un organiseur. Exactement ça, ouais. Il faut, comment dire. Moi, à l'intérieur, il y a mon sac photo,
et donc même s'il est souple, il contient les protections, contient de la mousse. Il ne faut pas, aller pas mettre ton appareil comme ça posé dedans, je pense. Bah, non, c'est juste c'est une mauvaise idée. Ce qu'il faut porter. Mais ça, enfin, 350, 35 litres. 35 litres. Il y a un 600. Il est là, ouais, votre 600. Il y a un 600. Ouais. Ça, c'est la bonne taille. Hein. Après, on peut toujours mettre plus, mais plus on va en mettre, plus ça va être lourd. Ouais, c'est ça. Il faut essayer de se limiter. Là, déjà, tu as quand même pas mal de litrage. Hein. Ouais, le 600, tu embarques des trucs. Donc, c'est pas mal. Même le 350. Ben là, là, pour vous dire, j'ai dans mon sac, j'ai un sac photo, un trépied, une multiprise. Matos de tente, camping. Matos de tente, tes affaires. J'ai l'impression aussi. Qu'elles sont toutes sur toi, les affaires. j'ai jeté les slips. Je ne lave plus les slips, je jette. On nous demande la pression de pneus en off-road, je pense. Peut-être pas dans le sable, où tu as dit que tu dégonflais énormément vers 0,5, ce qui est vraiment dans le très gras. Je pense pas que tu roules avec ces pressions-là. Non, avec Tom, écoute, sur la plupart des trucs, on était à 1,8, et on s'est même dit que quand tu faisais gaffe avant-arrière, tout. Et ça, c'est des Michelin à Naki Wild. Hein. Ouais, Naki Wild, et on s'est même dit que si tu fais un peu gaffe à pas aller se taper le plus gros caillou de la piste que tu vois. Tu peux même te mettre un 6, c'est sympa. Quoi. Ouais, t'as le risque de crever ou de déjanter. Ah ouais, de déjanter quelques... carrément. Bon, en tout cas, d'abîmer ta jante. Quand tu me parles de trucs, je sais, ah ouais, ça. Bah, si ton pneu est trop sous-gonflé, ouais. Tu peux, ça va taper dans la jante et ça peut faire un petit plat et après tu vas être. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Une sortie d'autoroute, pas avec celle-là, la FUSMR que j'avais avant. Sortie d'autoroute, bam! Et j'arrive à Paris, je fais, c'est marrant, il a neigé par ici, non? Et je sentais plus mon avant, il se barrait à gauche, à droite, et en fait, plus d'air, ça se dégonflait. Donc ouais, carrément. Mais, donc ouais, 1,6 et jusqu'à 0,5 dans le sable, dans la boue. Et bon, faites gaffe, essayez chez vous 0,5 dans la boue, quoi. C'est incroyable, t'as l'impression qu'il n'y a plus de boue, tout passe. Et en fait, c'est en tubeless, je pense que je sais pas si tout le monde peut se permettre d'essayer ce genre de choses et peut-être avec ces pneus-là aussi, quoi. C'est-à-dire en tubeless, tu veux dire? Je sais pas comment vont réagir des chambrières, je suis pas un expert pneumatique. Oui, mais non plus. Bon, ben la GS est quand même une moto un peu particulière, Tom le dit souvent dans ses vidéos. Et 0,5, c'est une pression quand même extrêmement basse. Ouais. Et tu devais être dans un très très gras, je pense. Je veux pas être responsable de la case. Essayez, mais faites attention quand même. Parce qu'une jante, c'est rapidement 800 euros, donc faites gaffe. Quoi. C'est... Ouais, ça non, ouais, bah, sable où il n'y a rien du tout. Et enfin, où il n'y a rien de dur, quoi. Et puis de la boue bien. Mais ouais, non, c'était vraiment gras. Tu vas voir les images. Après, t'es dans une logique où tu vas pour. Pour essayer, pour progresser, et tu sais que tu vas tomber. Et ta moto est prête ouais, ton équipement aussi, t'as les bottes, t'as les genouillères. Ah oui, c'est le. Tu vas pas l'équipement, comment. Les gars, moi j'ai galéré pendant super longtemps pour trouver un truc bien. Je suis parti avec cette tenue-là parce qu'elle m'avait l'air polyvalente et tout, mais c'est hyper important d'être bien équipé, enfin bien protégé en tout cas. Et surtout avoir un truc qui te permet d'enlever vite, respirer, ça c'est super important. Et non, par rapport au. Comment dire. Non, je voulais rebondir, mais j'ai oublié mon idée parce que c'est des trucs qui ça vient là et puis ça disparaît. Tu vois, c'est éclaté une petite bulle d'idée qui a disparu. Tiens, on a Art William qui nous dit grâce à Lolo Cochet, j'ai full équipé ma T7 avec du SW Motec. Exactement, Lolo Cochet, un autre youtubeur qu'on est influenceur qu'on très très bon et bah, qui nous fait rêver sur des voyages incroyables. À fond, bah, tiens, moi. Et qui tu t'entendrais très bien, je pense. Bah, ce serait avec plaisir de se rencontrer. Moi, Laurent Cochet, c'est moi, les premières vidéos de moto, c'est lui. Quoi, tu vois. Ah, je pense qu'on est une grosse communauté de fans, hein, et nous, les premiers. C'est trop bien, j'adore. Allez voir, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas, tu vois. Ah, bah, bien sûr. Lolo Cochet sur YouTube. La base. Allez, allez voir. Un périple de traverser Cap Nord. Cap to Cap, en mode mec, un peu. À deux, avec des T7, magnifique. Quoi. C'était bon, c'était trop bon. Il faut que tu fasses un vrai voyage comme ça. Le Portugal, c'est pas assez loin. Non, si tu veux, le Portugal, c'était vraiment l'optique d'aller chercher du difficile. Quoi. Et puis, partant avec Tom, c'était sûr. Faut pas aller trop loin avec Tom. Bah, si, il faut aller super loin avec Tom. Mais l'idée, c'était aller chercher vraiment les limites du franchissement. On n'a jamais fait demi-tour quand on était deux, parce qu'on était deux à pouvoir porter la moto,
et qu'on se sentait un peu poussé des ailes. On se disait, à deux, on peut tout faire. À deux, on la met n'importe où, on la sort de n'importe où. Franchement, beaucoup de fois, on était à deux doigts de ne pas la sortir. Mais tu ne laisses pas une moto à 25 000 dans la boue. Non. Tu ne pars pas, quoi. Donc, dans tous les cas, tu vas la sortir. Donc, à deux, machin. Mais quand j'ai dû poursuivre la reco tout seul, en fait, c'est la grande difficulté, c'est que tu t'engages dans des chemins où tu te dis, je peux difficilement faire demi-tour. Ce que je descends là, je ne suis pas sûr de pouvoir le remonter et je ne sais pas s'il y a une fin. Donc ça te fait quand même beaucoup de facteurs pour rester planté au milieu comme un con, quoi. Rouler seul, ça change pas mal la donne. À fond, à fond. Mais ne serait-ce que sur une descente engagée, pouvoir tenir à deux la moto, tu vois. La régie me paraît dubitative. Tom dit que tu lui as fait faire demi-tour. Il dit que tu mens. Attends, mon royaume pour un verre d'eau si quelqu'un m'apporte. Ah. Sympa. Ma GS contre un verre d'eau si quelqu'un m'apporte. Non, ouais. Merci beaucoup. Et. Ouais, à fond, à fond. Mais, si tu veux, quand il est. Il était Tom fait le malin, mais il n'a pas fini quand même le road trip. Hein. Il a dû faire demi-tour. Et mon coco, je suis allé te faire des recos, mon gars. Je t'ai maudit par moment. Je regardais ta trace, je vois, ça passe vraiment là. Et du coup, l'idée, c'est de savoir si ça passe. Donc, tu dois y aller, mais vous verrez la vidéo. J'ai fini. Le seul moyen de sortir d'un single track, c'était descendre un escalier avec des angles droits à 90, mais tout serré. Et non, bref, c'est pas de cette fois-là dont il parle. Merci beaucoup, gars. Ah ouais, ça, c'est un verre d'eau, ça. Ah bah là. Vous avez pas déconné. Là, j'ai de la réserve. Merci beaucoup. L'eau minérale de Bordeaux. Sympa. Et cette fois-là, où Tom m'a fait demi-tour, où j'ai fait faire demi-tour à Tom, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut dire les choses. Si vous voulez, il était 19h30. Je suis allé sonder un guet, donc déjà, c'est moi qui fais la démarche d'aller foutre les pieds dans la fête, tu vois. Donc tu vas sonder ton petit guet. Et donc là, tu sens si... Ah, est-ce que c'est du gravier? C'est quoi un peu le terrain? Est-ce que c'est du gravier? Est-ce que ça va être mou? Bon, déjà, c'est une sensation assez désagréable parce que t'as les pieds trempés. Mais tu essaies de regarder un peu, machin. Et donc là, si c'est pas trop profond et que tu sens qu'il y a une bombe, machin, tu dis, allez, on y va. Parce que comme ça évite de faire demi-tour. Parce que c'est toujours relou de faire demi-tour. Et avec les... Parce qu'on avait eu cette expérience de rester coincé. Le guet était quand même super long. Et il était 18h30. Donc de nuit. De nuit. Et donc là, tu te dis... franchement, on peut faire demi-tour facilement. La trace, elle est pas loin. Ça se reprend bien, tu vois. Est-ce que j'ai envie de galérer 2 heures si je me tanque, tu vois. Et t'as ce risque-là. Et t'as la balance de... Ça passe. Vous étiez là pour ça. On était là pour ça. Moi, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Mon avis, c'est... Ça passe pas forcément. J'ai dit, t'as une bonne chance de rester coincé. Est-ce que tu veux sortir des poulies? Et là, on a fait demi-tour. Mais je t'ai pas fait faire demi-tour. Moi, je t'ai dit, mon avis, c'est que machin. Après, fais ce que tu veux. Et on a fait demi-tour. Donc j'ai grandement participé. Après... Donc il a assumé ton choix. Après, il n'est pas allé sonder le guet. C'est ça. C'est-à-dire que tu m'as fait confiance. Mais que si tu voulais... Ça se trouve, j'avais 5 cm, j'avais juste la flemme. Hein. Mais non, c'est, après, tu pouvais aller sonder le guet. On a Roland Checo, donc je vous laisse faire le jeu de mots. Ah, trop bon. Qui demande, est-ce que tu fais un vrai voyage? Donc on te salue. Bah, écoute, t'as bien raison. Et avec plaisir. Il va falloir organiser tout ça. Non, grave. Et ouais, mais j'ai quelques idées en plus de voyages bien sympas. Bien sympa, bah, carrément. Bah, et puis merci d'être passé par là, ça fait toujours plaisir. Tac. T'as des réponses à faire dans... Non, j'actualisais ce chat, justement. On me parlait de la bouliche gelée, autrement dit une couille. Et écoute, ça revient souvent. C'est un jeu de mots, les amis. J'avais davantage les orteils gelés que les testicules. C'est une story que tu as fait ce matin pour dire que ouais, tu avais très froid. Il faisait vraiment froid. Si vous voulez, j'avais un givre sur la visière qui se mettait en 15 secondes et je grattais à la carte de crédit tout en roulant. Donc là, on remercie le cruise control. Ouais, c'est là. La régie trouvera peut-être la photo dont tu parles. Non, c'est trop complexe. La régie est un peu partout là. Mais faut pas trop lui en demander. Carrément. Alors, tac.
Je suis dans... Question qui n'a pas grand-chose à voir. Je suis dans le 77 et je cherche des traces. Savez-vous comment ou qui je peux contacter pour trouver des choses sympas dans la région ? Ah, il y a plein de groupes Facebook, ouais. Trailist, off-road. Enfin, dès qu'on me tape un peu de mots-clés, il y a plein de passionnés. C'est vrai que les traces, c'est un sujet très sensible parce que bah, la moto n'a pas toujours une bonne image dans les chemins et il n'y a pas beaucoup de chemins. C'est pas si facile que ça de trouver des traces sympas où on a le droit et on ne va pas déranger les gens. Donc, on ne peut pas aller n'importe où. Les motos comme ça, les gros trails, ont plutôt une bonne image par rapport à des motocross. Les gens, quand on nous voit, sont assez bienveillants et on a souvent des sourires. Maintenant, le sujet trace n'est pas anodin. Donc, faut pas hésiter à aller dans les groupes, à être plutôt actif et à rencontrer les gens. Il y a des, franchement, ça roule dans toute la France et il y a des, de quoi faire partout. On a quand même la chance d'avoir un pays avec plein de chemins. Bah, carrément, ouais. Donc, pas d'excuses. Et puis, t'as aussi plein d'événements qui vont regrouper des gens. Il y a des événements comme Cocorico Rando où on est partenaire. Ouais. Là, ils vous emmènent faire clé en main avec une assistance. Mmh. Et on n'a plus qu'à suivre la trace et c'est magique. Quoi. Et on est avec 200 personnes sur une trace magique avec des gros trails, avec des bivouacs le soir. Il y a une ambiance incroyable. Moi, c'est par là que j'ai commencé. Et franchement, tous les ans, je refais avec grand plaisir. D'ailleurs, on va t'emmener. Mais j'ai pas eu l'occasion. Avec t'as pas eu l'occasion l'année dernière, mais c'est dans l'agenda. On ne sait pas laquelle on va faire encore, mais il va falloir choisir. Et pour sinon, en termes de traces, tout de suite, alors je ne sais pas si ça passe à côté du 77 ou pas, mais tu as le tête qui regroupe pas mal de traces, et surtout des traces pas trop dures, ouais. C'est ce que j'ai entendu. C'est une trace européenne. Hein, Ouais, donc ça fait toute l'Europe, Trans-Euro-Trail, et donc sur leur site, tu as des traces qui parcourent toute la France, que ce soit les Pyrénées, les Alpes qui la traversent. Et tout le monde met à jour, c'est un peu effort tout le monde, commun. T'as enfin, pas juste des moniteurs qui... Il y a des marshals, ouais. Mais justement, c'est pas une personne qui gère ça. Ouais. C'est plein d'individus qui doivent essayer de mettre à jour la trace, remonter d'informations. C'est une trace, par définition, sa vie. Donc, une trace qui passe un jour, ne passe plus l'année d'après, les chemins ferment. Donc, pour être toujours actualisé, donc c'est un concept assez sympa. Bah, carrément, et puis surtout, c'est trop cool de pouvoir se dire je pars d'un point et je prends uniquement les chemins pour aller. Il n'y a pas d'excuse pour se lancer dans la moto. Et quand on n'a pas de moto ou qu'on vient de la route, il y a des gens comme Greg de Trail Découverte dans le sud-est de la France qui arrivent, ils vous prêtent des 250 CRF, ils vous emmènent dans des aventures incroyables. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances. Il y a du monde partout. Hein. Nous, on est aussi partenaire avec David Frétinier, avec. Tom, hein, qui fait aussi avec les box BM. Bah grave, c'est infini. Yann Dupré également. En ce moment, Yann Dupré, qui nous prépare un petit événement l'année prochaine, le Col en Trail, là, va falloir... C'est bon, ça. C'est un petit peu encore secret, mais toi, tu pourras suivre, ça te plaira. Donc, ouais. C'est un Col en Trail pour les trails, avec trois équipes. On ne sait pas du coup où bon, il va nous emmener. Je dis rien que c'est cool de pouvoir commencer avec un truc comme ça, de ne pas prendre des mauvaises habitudes de conduite. Pas se faire peur tout seul et surtout pouvoir tester des motos, tu vois, avant de penser à un achat. La régie me dit qu'ils ont trouvé ta photo. Donc, nous, on ne voit pas le retour image, Quentin, mais tu peux peut-être montrer la photo de Paul tout givré. Je vous laisse profiter de cette image. On a JLMPP sur Twitch qui nous demande est-ce que j'envisage de participer au GS Trophy ? Je crois que la sélection, c'est en septembre prochain. C'est en septembre à Barcelonnette. Ouais. Et à Barcelonnette, ça va être, si Tom met un commentaire si je me trompe, ça va être les qualifs et les 10 premiers qui vont être en finale feront la finale dans un second temps à l'Astour. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des sélections. Allez-y, c'est accessible à tous. Je suis chaud. Ouais, il faut que tu y ailles, t'as pas le choix. Ah bah ouais, en plus c'est qu'il faut. Il faut une BM, pas forcément la plus grosse. J'ai entendu dire que toi, t'avais une BM. Moi, j'ai une moto de tricheur, la X-Challenge. Mais à un moment donné, il faut savoir investir au bon endroit. Et donc toi, parce que toi, t'as remporté les sélections et t'es parti sur le GS Trophy. Voilà, moi j'ai eu la chance de gagner le GS Trophy, les qualifs France, il y a 2 ans, et d'aller en Nouvelle-Zélande l'année dernière. Non, cette année. Non, l'année dernière, maintenant, 2020. Ouais. Et on a fait 2e, et c'était une aventure de fou. Et du coup, on n'a pas eu la chance d'être sur les 1250 GS, on était sur les 850. Franchement, c'était... Si je dois dire, sur un événement comme ça, c'est dur de critiquer parce que c'était fantastique. Mais j'aurais clairement préféré avoir une 1250 que la 850, qui n'est pas une mauvaise moto. Hein. Ouais. Mais c'est incomparable, ça, c'est un bijou. Quoi. Moi, ce qui me fait marrer, bon, on parle, excusez-nous, pour ceux qui ne sont pas forcément hyper familiers du truc, parce qu'on parle à plusieurs communautés en même temps,
Moi, je trouve ce qui est incroyable dans l'équilibrage de cette moto, c'est que j'ai l'impression presque d'être plus proche d'un quad que d'une moto. C'est la première fois que j'entends le rapport avec le quad. J'ai jamais fait de squat. jamais fait de quad, tu vois, mais c'est dans la stabilité, tu vois, et le fait d'avoir son poids vachement bas, j'ai l'impression d'avoir un truc qui. On oublie son poids. Tu vois, je suis monté sur une moto qui n'avait pas de truc comme ça, je me sentais instable, tu vois. Ah ouais. Et bon. Et à basse vitesse, elle a plus d'équilibre que la 850 ou qu'une T7, quoi. Alors qu'elle est plus lourde. Non, mais c'est un truc qu'il faut essayer. Mais elle a des inconvénients aussi. Toi comme moi, on n'est pas pro BM. Mais force des choses, c'est quand même une moto très intéressante. Son poids est parfois dans l'équilibrage un avantage et parfois un inconvénient dès qu'il faut le soulever. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, et que parfois même 15 cm où tu fous ta roue avant, ça fait toute la différence. Parfois, tu mets l'avant et l'avant est tellement lourd que tu ne peux pas le soulever. Donc il faut des stratagèmes de faire tourner sur les cylindres pour que ça marche. Exactement. Voyez-vous, on a couvert pas mal de trucs. Ouais, je pense qu'on... Je ne sais pas combien de temps on a fait, presque une heure de... Bah, fond les ballons. Moi, je n'ai pas envie de trop vous spoiler non plus la vidéo. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débriefer également après. Semaine prochaine, c'est ça? Ouais, le 14. Le 14, jeudi, tous les jeudis à 18h, c'est une nouvelle vidéo qui sort sur YouTube. Donc, ce sera celle-là, jeudi prochain. Sur Hit the Road. Sur la chaîne de Hit the Road. On partagera évidemment sur nos réseaux SWMotech ta vidéo. C'est très sympa. Et alors, la vidéo de ce soir est, je crois, un peu en retard. Et donc, elle sortira demain matin si elle n'est pas sortie. Je vais juste regarder, je ne vous dis pas de conneries, mais normalement, j'avais des infos comme quoi la vidéo... tac, 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 tac. Je regarde, je crois que la vidéo n'est pas sortie parce qu'on était totalement... Effectivement, c'est bien ça. Donc, c'est sur quoi? C'est sur Hit the Road. Ah, mais le sujet... C'est la réponse toute faite, c'est sur Hit the Road. Non, alors, c'est on est parti en Ukraine et c'est... ça parle de... L'histoire c'est compliqué. Des bunkers de défense civile, des abris de défense civile qui étaient dans la plupart des usines. Donc c'est l'infiltration dans un de ces bunkers-là, avec des images incroyables de ce qu'on a trouvé sur place, et également des films d'archives de l'époque qui avaient été récupérés par notre ami ukrainien, Sol, que vous connaissez super bien maintenant, et qu'on a pu du coup reprojeter, refilmer, renumériser comme ça, et vous raconter un peu cette histoire de bunker. Donc ça c'est pour le tease, ça sort demain donc à 17h. Comme à chaque fois quand on est en retard, c'est vendredi 17h ou alors jeudi 18h si tout se passe bien. Et donc voilà, jeudi 14, la vidéo de nos galères. Et je vais encore me retrouver avec 1 Tera de données sur mon disque dur à trier. Donc ça va être joyeux. Ça va être joyeux, mais c'est cool parce que j'aurai plein de matière pour vous raconter des belles choses. Donc ça va être chouette. Et bah super, et puis on va voir ce qu'on peut faire comme autre aventure en moto avec toi cette année. Avec grand plaisir. Merci encore d'être venu nous voir. Non mais merci à vous les gars. Et puis pour une fois qu'on a un joli setup avec 3 caméras, toujours un peu de coupure, parce que nous on est abonnés aux coupures. Donc, ouais, c'est sûr. C'est la vie. Aurel, allez, merci. Bah, je sais pas si on peut... Mais... Ah oui, de loin, pardon. De loin. On va partager une pizza quand même. C'est vrai. Les gars, salut. Ciao, passez une bonne soirée. Pensez à suivre SWMotech, à nous suivre. On se dit à jeudi pro, vendredi pro sur Twitch. Ciao.